Aujourd'hui, c'était le premier round des filles et des hommes et on a attendu 3-4 jours pour que les conditions deviennent vraiment belles et heureusement qu'ils ont attendu aussi longtemps. Et puis ce matin, les conditions elles étaient là, les vagues elles étaient belles et j'étais deuxième série de la journée, du coup il n'y avait pas de vent, c'était glacis, belles vagues, un peu lent, mais quand ça venait, c'était bien ouest, donc il y avait de gros scores à faire et puis j'ai pu... j'ai commencé ma série assez doucement avec un petit score d'un 6-5 et ensuite j'ai attendu assez longtemps avec la priorité et puis ensuite j'ai réussi à avoir ce 9-33 vers la fin du hit. Je ne pensais pas que j'allais réussir la vague parce que c'était une vague avec beaucoup de mousse en dessous de moi. J'ai tapé le foam ball deux fois et puis j'étais sur une toute nouvelle planche que je n'avais jamais utilisée avant. Donc voilà, j'étais pas trop sûre, mais en sortant avec le souffle, c'était le meilleur sentiment de faire ça dans une série. Donc j'étais hyper contente. Oui, je suis contente que cette année, y ait des belles conditions, qu'on puisse attendre les bons jours comparé aux deux années précédentes. Donc, enfin, on peut surfer du joli terre hoop haut, on peut s'exprimer dans de gros tubes. Et là, la houle qui arrive a l'air assez dominante, donc on va pouvoir sortir les plus grandes planches. Et je suis prête à tout. Donc voilà, j'ai mes petites planches, mes moyennes planches, mes grandes planches. Donc, ce que terre hoop nous donne, je vais prendre et je vais essayer de prendre en tout cas. Et voilà, c'est une belle compète et aussi un bon entraînement pour les Jeux, de nous mettre dans des situations avec les bateaux, les hébergements, le staff de l'équipe de France, les coachs pour pouvoir voir ce qui marche, ce qu'on peut améliorer. Et voilà, c'est toujours bien d'être en compétition à terre hoop.